réalise un de mes rêves, rien de moins. Je rencontre Maria Di Domenico. Dans le fond, vous, là, c'est quoi à la Di Domenico? C'est quoi? J'ose pas appeler ça une école de cuisine, malgré que ça en est une, mais je donne des cours de cuisine à des élèves, un petit groupe de alentour de 8. Et ils peuvent aussi pratiquer, apprendre. Ils arrivent ici, ils ont les recettes, on travaille ensemble et après, on prend le repas ensemble. Parce que c'est agréable de goûter qu'est-ce qu'on a préparé. Donc, c'est ça. Je reçois aussi des gens qui viennent pour fêter un anniversaire. Ah oui! Aussi pour fêter Noël, okay. des petites compagnies qui viennent pour... faire du team building, comme on appelle, team building, oui. Absolument. Ouais. C'est un peu tout ça. Puis avec ça, on devient même des amis avec plein de gens qui reviennent. Et ça vient un peu de partout. Ça vient, oui, de la région, mais ça vient de l'Outaouais, ça vient de Trois-Rivières, ça vient de Québec. Parce que vous êtes connue, dans le fond. Bien, hein? De bouche à oreille, oui, ça fait son chemin. Et vous avez commencé quoi, en 2005, c'est ça que vous me disiez? On est arrivé à Belleuil en 2003, et en 2005, on recevait souvent l'oncle de Stefano Faita, qui passait par ici, qui mangeait avec nous, souper, tout ça. Il me disait toujours, « Pourquoi tu ne commences pas à donner des cours? » Ah! Et moi, je... On m'a dit, voyons, donner des cours. Ouais. Et finalement, je dis, pourquoi pas? Et c'est un peu comme ça que c'est vraiment lui qui a allumé le feu à moi, malgré que j'ai toujours cuisiné. Ouais. Parce que j'ai vécu 15 ans en Italie. Puis j'avais une grand-mère qui était peut-être plus rigoureuse que chef de l'ITHQ, exigeante. Puis vous venez de la région des Abruzzes, tantôt on s'en parlait. C'est là que la première école de cuisine a été créée. À Villa Santa Maria, l'école existe toujours. L'école a été fondée dans les années 1450-1500. Donc, c'est une région où on cuisine beaucoup. Alors, venez découvrir, puis vous, ici, c'est à même votre maison. Vous habitez ici, c'est votre école ici également. Oui, et je remercie le ciel à chaque jour. De vivre avec le Mont Saint-Hilaire en face de nous. Et le parcours que j'ai fait pour en arriver là, écoutez, j'ai commencé avec une chronique culinaire en 2006-2007 pour l'œil régional. Oui, j'ai ici. Vous avez monté ça. Ensuite, il y a eu une chronique pour la vallée du Richelieu. L'épicerie qui est arrivée en 2010-2012, je ne me souviens pas, puis ils sont passés ici peut-être 8 ou 9 fois. Ça, c'est une belle vitrine pour moi. Ouais. 2015, j'ai écrit ce livre-là avec Glénat Québec et le livre a gagné une médaille d'argent au Canada. Wow. C'est une grande fierté. Je comprends. Et 2019, voilà, j'ai refait un autre livre. Ce sont toutes des recettes de famille, des créations aussi, parce que quand on cuisine, on ne s'arrête pas là, on veut essayer d'autres choses. Vous faites vous-même vos charcuteries, hein, c'est ça? Pas celle-là, mais j'en fais. OK. Je fais mes charcuteries, la longe, le capicole. On fait de tout à partir de la petite entrée jusqu'à la charcuterie, le fromage, les conserves. Il y a beaucoup, beaucoup de conserves qu'on fait maison. Ouais, ça c'est... Donc, avec la pandémie, je pense qu'on va être correct pour un bout de temps avec tout ce que j'ai dans les armoires. Mais c'est dans le fond, c'est de revenir à l'essentiel aussi, je trouve, la cuisine italienne. Ben nous, on n'a jamais débarqué de ça. Ouais. On a toujours vécu comme ça en Italie. Et la plupart des Italiens qui vivent à Montréal, je pense qu'ils continuent. Parce que c'est bon. Oui. Puis, il y a l'amour de la cuisine aussi. Il faut aimer cuisiner. Si c'est un fardeau, ben là, c'est d'autres choses. Exact. Moi, j'ai du plaisir à cuisiner, à partager, à rencontrer des gens. Voilà. C'est un acte d'amour que de cuisiner, effectivement. Je pense. Oui. Absolument. Là, vous avez rappé tout à l'heure, avant qu'on commence à l'entrevue, vous avez rappé. C'est une recette que votre mère faisait, hein, c'est ça? Ça, c'est une recette que ma mère faisait. Et que je continue de faire. Donc, on râpe la courgette, on la fait revenir dans un peu d'huile, un peu d'ail, évidemment le persil. Et une fois que tout ça est assez sec, on ne veut pas que ça soit humide pour que ça colle
à notre penane. On le dépose là-dessus. Un peu de fromage, quelques bonnes petites tomates cerises séchées. Mm. On met ça au four 5 minutes. À combien? Et, 375-400. Ouais, ouais. Et le repas ou la petite entrée. Ça, c'est sur des painanes, parce que c'est ça que vous me disiez tantôt. Oui. Vous avez adapté aussi votre cuisine. Oui, puis il faut s'adapter parce que les temps changent. Ouais. On parlait tantôt aussi de sirop d'érable. Oui. Ça n'existait pas en Italie, mais je l'aime tellement que oui, j'ai beaucoup de recettes où j'ai intégré le sirop d'érable à mes recettes. Oui. Pour faire honneur aussi à... À votre conjoint qui est québécois? À mon conjoint, mais aussi au pays qui m'a adopté, voilà. Oui, c'est formidable. On le fera tantôt, puis peut-être oui, qu'on viendra reprendre des images. Mais je voulais vous demander, parce que le temps file, quelle est votre plus grande fierté à vous? Ouf! Ma plus grande fierté, c'est la renommée de ma petite cuisine ici. D'avoir des gens qui viennent un peu de partout, évidemment, mes deux livres de cuisine, mais c'est un peu tout ça. Transmettre mon savoir, c'est une grande fierté pour moi. Je comprends. Puis la meilleure chose qu'on pourrait faire, c'est effectivement de venir suivre des cours, puis de venir partager un repas avec vous. Vous êtes tous bienvenus. Oh! Puis ce livre-là, est-ce qu'on peut se le procurer? À quel endroit? Alors oui, on peut se le procurer ici à la boutique. Il est à la boutique du marché Jean Talon. Elle est aussi chez... C'est Citation, est-ce qu'il est là? C'est Citation. Okay. Elle est à plusieurs endroits. Oh, je peux aussi l'envoyer par la poste. OK, parce que... Sinon, vous passez nous voir. Absolument, absolument. Mais un gros, gros merci, Madame Domenico, pardonnez-moi. C'est un privilège de savoir que vous êtes dans notre région puis d'être venue aussi à votre rencontre aujourd'hui. Merci beaucoup. Je suis chanceuse, privilégiée d'être ici. Merci. Alors, ceci met fin à notre émission sur la passion. On termine en beauté et en saveur avec Madame Di Domenico. Vraiment, merci beaucoup de nous avoir reçus.